Hey, partner, aujourd'hui, je vais te parler de ma langue, le français louisianais. Quoi, c'est ça, le français louisianais? Mais c'est un dialecte du français parlé par les Louisianais. Il y a des gens qui disent, ouais, c'est ça, c'est juste un dialecte, c'est pas une vraie langue. Mais j'ai une grande nouvelle pour ce monde-là. Le français de France, c'est aussi juste un dialecte. Vraiment. L'anglais d'Angleterre n'est pas la seule manière de parler anglais. Et le français de France n'est pas la seule manière de parler français non plus. Il y a aussi beaucoup de monde qui croit que le français louisianais, c'est le français cajun. Et ça, c'est vrai. Et pas vrai. Le français louisianais est la langue parlée par les Cajuns de la Louisiane, mais il y a des gens qui se disent créoles ou indiens qui parlent un français qui est plus ou moins pareil. Tu vois, le français c'était une langue partagée par plein de différents groupes dans la Louisiane. Des explorateurs et des colons de l'Europe et du Canada. Des tribus indiennes comme les Houma et les Avogel. Des réfugiés de l'Acadie et d'Haïti, et des créoles de tout partout. Et tout ce monde-là a influencé le français louisianais. Faut noter, et quand je dis créole, je suis après parler des personnes, pas la langue. Il y a des créoles qui parlent le français louisianais, et il y a des créoles qui parlent le créole louisianais. Puis il y a des créoles qui parlent les deux. Le créole louisianais, ou le Couliviny, c'est une langue qui est bien proche au français, mais qui a assez de différences pour être sa propre langue. Mais, allons revenir back au français louisianais. Et comment c'est un peu différent des autres français, et un peu la même chose. Ça fait, quoi c'est la différence? Il y a l'accent. Ma mère, elle est petite. Ah, ta mère, elle est petite? La mienne est grande. Il y a des mots différents. Des fois, c'est juste un petit brin différent. Tu manges des crevettes? Non, je mange des chevrettes. Des fois, c'est un mot qui existe dans d'autres dialectes, mais qui ne veut pas dire la même chose. Tu peux me donner mon capot? Des fois, c'est un mot qui n'existe pas dans d'autres français. Allons charrer avec Paul. Allons quoi avec Paul? Il y a des différences dans la grammaire. Vous allez bien? Vous êtes va bien? Et on a l'habitude d'être un peu moins formel dans la Louisiane. Mais même si j'expliquerai toutes les différences dans les différentes versions du français, ça ne fait pas rien. C'est quand même du français. Comment tu dis « jeudi passé » en français de France? « Jeudi passé ». Comment dit-on le pied gauche en français louisianais? On dit « le pied gauche ». Et comment est-ce que vous autres vous dites la couleur rouge en France et en Louisiane? La couleur rouge. La couleur rouge. Pour le monde qui s'intéresse au français louisianais, le dictionnaire du français louisianais est une magnifique ressource. Ouais, notre dialecte est si riche qu'il a son propre dictionnaire et sa propre littérature. Sa propre histoire. Son propre système de loi. Et encore plus. Mais je crois que ça, c'est assez pour aujourd'hui, non? Restez avec nous autres. Telelou a beaucoup plus à partager avec vous autres sur notre beau français de dans la Louisiane. On va se revoir!